Salut tout le monde, c'est Max Distaz, puis aujourd'hui, on apprend la high speak. Donc, première étape pour faire la high speak, une très bonne chose, c'est de savoir comment faire un manual. Spécialement, faire un manual en embarquant sur un ledge, parce que dans le fond, ça va être une motion qui va être relativement similaire pour faire la high speak. Dans le fond, le jeu de jambes va être pareil pour pouvoir tenir le high speak parce que c'est essentiellement c'est comme un manual, c'est juste que ça va être un petit peu plus dur étant donné que vous n'êtes pas sur votre roue d'en arrière complètement, vous êtes sur votre peg puis ça glisse un petit peu plus. Donc deuxième truc pour le high speak, dans le fond moi qu'est-ce que je vous conseille, c'est vraiment un ledge qui va pas être trop haut, comme ça si vraiment il arrive quelque chose, vous allez être capable de mieux réagir, dans le fond vous allez tomber de moins haut, fait que vous allez pouvoir soit mettre votre pied à terre, soit mettre votre pied sur le ledge. Ou que si votre, jamais vous arrivez et que vous le perdez à la fin, que ça glisse moins et que votre roue tombe par en avant, bien, vous allez être sûr de ne pas tomber et vous faire mal. Troisième truc, dans le fond, ce serait d'essayer de commencer sur quelque chose de pas trop long. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment sauter, vous placer puis embarquer. Dans le fond, sentir comment ça va réagir en high speak sur le ledge. Comme, pas besoin que ce soit hyper long, là, vraiment. Juste, ça peut être comme pratiquement comme qu'est-ce qu'on peut appeler un kiss the ledge. Ça peut vraiment être quelque chose comme simplement ça, puis que vous débarquez. Dans le fond, c'est juste pour que vous sentiez la motion. Aussi, petit conseil pour le high speak, le plus que vous allez arriver droit, le plus que ça va être facile, parce que dans le fond, si vous arrivez croche, soit que vous allez être trop de côté, puis que vous allez vouloir décoller du ledge, ou soit que vous allez juste partir comme ça, puis vous allez tomber en feeble, puis probablement que votre peg va débarquer. Donc vraiment, arriver le plus droit possible, ça va vous aider à rester bien au-dessus. Vous allez être droit, ça va être plus facile pour le ballon, puis ça va paraître beaucoup mieux aussi au résultat final. Donc c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui, j'espère que ma chronique vous a aidé dans le fond avec vos high speak. Ou sinon j'espère que ça va vous aider dans votre pratique future, puis vous viendrez l'essayer au TAS, on a les meilleurs ledges pour vous.